Oh, j'ai la pêche là. Je reviens du ski là. Y'a des gens qui sont déjà allés au ski? Vous avez aimé? Cool. Moi j'ai détesté moi. En fait, il y a un petit problème. Non, c'était pas que ça allait trop vite. Non, c'était pas ça. Ça va trop vite? Non. C'est pas dans le texte en tout cas. Non, ils ont soufflé. Ils ont essayé de me souffler des vannes. Bah ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Essaye d'avoir ton diplôme et après. Ouais, j'étais au ski. Ouais. J'ai pas aimé. Ouais. Parce que quand ils m'ont expliqué tout, ben, j'ai pas compris l'activité. Hein. J'ai pas vu tout le plaisir. Hein. Tu sais, on te prend, on te ramène dans la montagne, tu descends. Dès que t'as fini, tu recommences. Tout ça pendant 5 jours. Hein. Pour 1500 euros. Et tu sais, il y a des groupes, et moi je suis dans le groupe des nuls, hein, parce que je ne vais pas trop progresser. Hein. Je voulais rentrer chez moi, en fait. Et il y avait un moniteur, hein. J'ai réussi à esquiver jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, le moniteur est venu nous voir, il a dit « Ouais, venez, on va faire la piste bleue, où on n'a pas trop travaillé et tout. » Alors que nous, on s'en battait les couilles, tu vois. On lui a dit « Ramène-nous au McDo, sans compte ancien. » Et il a réussi à nous convaincre d'aller prendre tire-fesse. Et avant de prendre le tire-fesse, il me dit « Ouais, ne vous inquiétez pas, si jamais vous tombez le tire-fesse, on viendra vous chercher. » Ben j'espère, mec, tu vois. Parce que j'ai pas envie de vivre dans la montagne, tu vois. Je sais rien faire, donc si je tombe, c'est sûr que je t'attends, tu vois. Pourquoi elle allumait la lumière? J'ai pas compris. On était très bien dans le noir comme ça. Là. Donc du coup, je prends le tire-fesse et je sais pas, je tombe, tu vois. Ça s'est passé tellement vite. En fait, j'ai pris, je suis tombé. Et j'ai attendu le moniteur, il a mis un peu de temps. Du coup, je me suis mis sur le côté, je me suis mis en sécurité. Je me suis mis en PLS, tu vois. Pour pas avaler ma langue. Hein. On ne pense jamais à ça. Et tu sais, pendant que j'étais par terre en sortie, tu sais, un petit chien qui sortait des buissons. T'sais. Un petit chien sauvage que je ne connaissais pas, j'ai jamais vu avant. Et moi, au début, je crois que c'est le chien du moniteur. Je crois que le chien allait me sauver. Ça. Parce que je crois que j'aurai trop de fil. Tu sais, dans ma tête, le chien, c'était Tintin. Ça. Non, c'était Milou. C'était Milou. Et je lui dis, va chercher Tintin. C'était ça la blague, normalement. C'était ça. C'est vrai que ça marche pas si Tintin est déjà là. Quoi. Quand tu vas chercher Milou. Hein. Imagine, Tintin, il vient de voir, enfin, putain, je peux rien faire, là. Je vais chercher Milou, je reviens, peut-être il aurait... Ouais, ouais, je raconte n'importe quoi, ouais. Donc je dis à Milou d'aller chercher quelqu'un, tu vois. Et Milou, il a pas capté, il a commencé à m'attaquer et tout, je dis, qu'est-ce que tu fais, hein? Il m'a mis la misère, il a pris mes gants, il est parti... Il est revenu, il m'a pissé dessus. Avec les gens qui passaient à côté, qui pensaient qu'on jouait, tu vois. Alors que moi, je jouais ma vie, j'étais en galère. Tu vois. Je sais pas combien de temps ça a duré cette bagarre, mais je sais que ça a duré longtemps parce qu'à un moment donné, je me suis endormi. Et maintenant, avec cette histoire, j'ai un problème avec les chiens. Pas que j'ai peur d'eux, mais j'ai l'impression que les autres chiens sont au courant de cette histoire, tu vois. Les chiens manquent de respect dans Paris, tu vois. Ils passent comme ça, ils font.
Ça y est, c'est fini. Merci d'avoir écouté, c'était Timon. Mesdames et messieurs, Timon.